الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة أحباب رسول الله أخرج الإمام أحمد والحاكم في مستدركه من حديث أبي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ضمان للجنة من أراد أن يضمن والضامن حبيب الله صلى الله عليه وسلم فهذه الست
سترون أيها الأحبة الأكارم أنها كلها متعلقة بمجتمع المسلمين. فقال إذن اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، هاك وهاك، أصدقوا إذا حددتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ستة تضمن لكم الجنة، ليس فيها صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أركان، لأن هذه أساس، لأنه يتحدث للصحابة الذين حصلوا هذه الأساسيات، ولكن يريد أن تكون هذه الأساسيات، هذه الأركان دافعاً لمجتمع فضيل. Alors, chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, on va parler d'un hadith qui s'adresse à chacun de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous garantit le paradis. Selon l'imam Ahmed ainsi que le Hakim, dans le hadith Ubad ibn Samit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: garantissez-moi six choses de votre part, je veux garantir le paradis. Alors, celui qui veut un garant sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est le garant. Et quand le garant, c'est le prophète, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sincère dans ce qu'il garantit. Il garantit auprès d'Allah le paradis. Mais il faut de nous, on doit garantir six choses. Quelles sont les six choses? Vous allez voir, il n'y a pas ni la prière, ni le jeûne, ni les cinq piliers de l'islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam adresse la parole à ses compagnons, ceux qui ont déjà réalisé ces qualités des cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut que ses compagnons et tous ceux qui vont venir après eux ne restent pas bloqués sur la vision de cette religion en pratiquant les cinq piliers de l'islam. Il veut que le croyant, pour qu'il garantisse le paradis, il doit aussi garantir une société stable. C'est pour ça qu'il nous a dit, alors garantissez-moi six choses. La première, soyez véridique. En général, et en particulier quand vous parlez, soyez véridique, il ne faut pas mentir. Et soyez fidèles à vos engagements. Quand on conclut un engagement, on doit être fidèle pour garantir le paradis. Et rendez les droits à ceux qui ont droit. Ceux qui vous ont confié quelque chose, vous devez leur rendre ce qui leur appartient. Amana. Et préservez votre chasteté. Ne faites pas n'importe quoi. Ne suivez pas vos désirs. Le mariage est encadré dans l'islam. C'est pas, on ne va pas vivre comme des bestiaux, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Préservez votre chasteté et baissez vos regards. Et ne faites pas du tort aux autres avec vos mains. Six choses, alors ne garantit le paradis. Alors, est-ce qu'on est capable de garantir au prophète sallallahu alayhi wa sallam six choses pour qu'il puisse nous garantir le paradis? الذي أراه أيها الحب الأكارم في هذا الحديث أنه لا يضمن فقط جنة الآخرة، ولكنه يضمن كذلك جنة الدنيا. تصوروا معي مجتمعا يعم فيه الصدق ويعم فيه الوفاء ويعم وتعم وتؤدى فيه الأمانة وتحفظ فيه الفروج وتغض فيه الأبصار وتكف فيه الأيادي عن الأذى. هذه جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة مقصده فحققوا جنة الدنيا مدينة فاضلة بهذه الأمور. لذلك لم يتحدث عن الصلاة والصيام لأنها أصبحت عند المسلم العادي عادة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل هذه العبادات من العادة إلى تأسيس مجتمع فاضل. Ce que je vois à travers ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne garantit pas seulement le paradis de l'au-delà, mais il garantit aussi le paradis ici-bas.
Parce que, imaginez avec moi, chers frères, chères sœurs, une société véridique, où les gens sont véridiques. Une société où les gens sont fidèles à leur engagement. Une société où l'amana il est confié à ceux qui ont droit. Une société où les gens préservent leur chasteté. Une société où les regards sont baissés. Une société où les gens ne font pas du tort à autrui. Imaginez avec moi cette société. Toutes les constitutions du monde font en sorte, se réunissent pour mettre les lois et des droits et des devoirs pour garantir une société digne de l'humanité. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam dit 6 choses pour y aller cette société. C'est un paradis, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Il y a le bonheur. Et le bonheur, c'est de garantir ces 5 choses à l'Al-Hibb al-Akarim avant de partir dans l'au-delà. Il a bâti le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de sidq. Il a commencé avec être véridique. والصدق أيها الحب الأكارم طريق إلى البر والبر في اللغة جامع الخير être véridique, la sincérité c'est le chemin vers le bien et le bien en général. النبي صلى الله عليه وسلم بما خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Soyez véridique. Car être véridique emmène vers le bien, le bir. C'est pas le bir, c'est jamais al khair, ça veut dire tout ce qui est bien. Et le bir emmène vers le paradis. Et la personne reste fidèle et cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il est inscrit ici-bas avant l'au-delà auprès de Dieu parmi les gens du paradis. Déjà ici là. والبر الذي يهدي إليه الصدق قد ذكره القرآن الكريم. اقرأوا آيات القرآن الكريم الآية 177 من سورة البقرة. ستجدون كلاما ممتعا حتى في قراءته في تعريف البر. جامع الخير لأن هذه الستة جاءت لتحقيق جامع الخير. وانظروا كما قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن البر لم يبدأ بأركان الإسلام فقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر أولئك الذين صدقوا. انظروا تفاعل القرآن الكريم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez comment le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم et le Coran le confirme d'une façon magnifique. Où nous parlons de la beauté pieuse, al-bir. La beauté pieuse, c'est pas seulement de s'orienter vers le coucher et le lever du soleil. Ça veut dire pratiquer la prière quotidiennement. C'est pas ça seulement le bir, mais le bir, c'est de croire aux 6 piliers de la foi, de croire en Dieu. Au moment où tu vas mentir, ta croyance doit réagir. C'est ça croire en Dieu. Au moment où tu prépares un tort, ta croyance doit réagir. Au moment où tu vas faire n'importe quoi avec ta chasteté, ta croyance doit réagir. Au moment où tu vas te faire du tort avec ta langue, avec ta main, avec tes yeux, avec ton oui, ta croyance doit réagir. C'est ça la vraie croyance, ayyuha al-hibb al-akarim. C'est pour ça qu'il nous a dit, ne croyez pas. Que la beauté pieuse, c'est de s'orienter vers le coucher et le lever de soleil. Mais c'est de croire à cela. Et puis, la beauté pieuse, c'est de donner. Wa ata al-mal ala hubbihi. Qala al-ulama ala hubbi man. La mort de qui? Qala ba'duhum ala hubbi al-mal.
malgré la mort réservée à ces biens, tu donnes dans le sentier de Dieu. يعني رغم أنك تحب المال تعطيه أنت الذي شقوت في اكتسابه ولكن تعطيه. قال بعض العلماء آخرين قال بلى بل الأمر يتعلق بالله، الهاء تعود على الله، لأنه ذكر هو الإيمان به أولا. فقال وآت المال على حب الله، ليس على حب المال، لكن على لأنك تحب الله تؤتي ما أعطاك الله إياه برهانا على محبتك له، بمعنى أنك تبين لله أنه أحب إليك مما تحبه أنت في الدنيا. والله يقول وتحبون المال حبا جما، فالذي يعطي المال حبا لله يبين لله أنه استثناء ممن يحبون المال حبا جما، وهم الذين يقولون فيهم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد، لماذا قال لم يقل والذين آمنوا يحبون الله كثيرا، قال أشد لأن هناك أخف، بمعنى أنهم يحبون الأزواج ويحبون المال ويحبون كذا، ولكن حب الله أشد من ذلك، فيسترخصون كل ذلك كل تلك النعم محبة لله. فهؤلاء الذين يحققون البر parmi les gens qui possèdent des idoles qu'ils aiment comme les croyants doivent aimer Allah, mais ceux qui croient vraiment en Dieu et leur amour en Dieu est ardente. Une amour ardente, ça veut dire j'aime les biens, j'aime mon travail, j'aime ci, j'aime ça, j'aime mon temps, mais tout ça est au service de Dieu parce que l'amour de Dieu est au-dessus de tout cela. C'est ça, achète حب لله وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين والسلام. ثم c'est là où il va venir. وأقام الصلاة. Troisième degré. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. La deuxième chose qu'on doit dire. والموفون هذا من البر الذين يأتون البر. Quand tu es fidèle à ton engagement, tu as signé un contrat avec ton patron, tu dois être fidèle. Le fait de faire un faux arrêt maladie pour y aller au bled, tu es un menteur, tu n'es pas croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais là, yakdib. Tu fais un arrêt, tu vas aller avec ton médecin, tu mets, je suis malade, regardez, donnez-moi 15 jours. Si même vous qui intervient, donnez-moi 15 jours d'arrêt maladie. Et tu vas faire le tourisme au bled. Tu es un menteur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith d'Abu Daoud, dans le hadith d'Abu أبي أمامة كتب يعني حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت بربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم يعني الضامن وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومن صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم d'une maison au plus bas du paradis à celui qui délaisse la dispute même s'il a raison. Bid'a, pas bid'a, la barbe, le camis, tout ça, même si tu as raison. Laisse tomber, je ne veux pas rentrer avec toi en discussion. Surtout quand tu disputes avec quelqu'un qui n'a pas ton niveau, qui n'a pas de science. Laisse la dispute. Qala l'imam Malik, rahimahullah, hinama ajab l'imam Malik, ayujadilu bis sunna, qala la. Balligha fa in qubilat wa illa fada il mira. Imam Malik a dit, est-ce qu'on va disputer la sunna, si, mais et après on déchire les relations. Il a dit, non, informe-toi. Si la personne veut accepter, qu'elle accepte, s'il n'y a pas, arrête de disputer. Il n'a pas ce midi, je garantis à celui qui délaisse la dispute, même s'il a raison, un paradis au premier degré, le premier degré du paradis. Mais je garantis le milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même en plaisantant. Même quand tu plaisantes avec quelqu'un, n'omens pas, on plaisante pas avec le mensonge, si tu veux garantir le milieu du paradis. Et si tu veux le plus haut degré du paradis, alors tu garantis que tu as une meilleure moralité. C'est ça qui je veux. Et donc, ici, les amis, nous savons que la jannah, il n'y a pas de manou. بالأخلاق العالية والأخلاق التي تجعل في مجتمع المسلمين مجتمع. إنما أرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءه عبر تاريخ ليغيروا الناس إلى
إلى الأحسن. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للخير. أقول ما سمعتم، أستغفر الله لكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الأكارم، هذا الحديث ينبغي للإنسان أيها الأحبة الأكارم أن يجعله نصب عينيه إذا كان مراده الجنة. الأصل أيها الأحبة الأكارم أن الله نحن خلقنا للجنة، إنما الدنيا دار ابتلاء. وقد سمعتم قبل ذلك خبرا عن ذلك، أن المرء يكون همه أن يحصل الجنة، ولكن من لم يعش جنة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، من لم يدخل جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. Alors notre objectif, chers frères, chers sœurs, Allah سبحانه وتعالى كنت nous a créé pour le paradis. C'est pour ça Adam عليه السلام il a résidé déjà au paradis. Mais c'est l'erreur qui a fait qu'il est sorti du paradis pour qu'il puisse revenir au paradis avec sa descendance. Mais ce n'est pas toute sa descendance, ceux qui ont garanti ici-bas ce paradis-là pour le lui. Parce que l'objectif de chacun de nous, c'est cela. C'est de réaliser le paradis. Mais il faut d'abord le réaliser ici-bas, comme il a dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Celui qui n'est pas rentré, qui n'a pas accès au paradis de d'ici-bas, n'accède pas au paradis de l'au-delà. Et comment y accéder? C'est de vivre ici-bas. Et de ne pas se croire que c'est moi le meilleur. Et c'est mon cheikh le meilleur. Et c'est mon groupe le meilleur. Et c'est nous qui représentons l'islam authentique. C'est ça l'erreur. L'erreur des gens qui croient, qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se distinguent parmi l'umma. Uhshur nafsaka fi zumrati ibadillah wad'u Allah bi ikhlaqika qabla maqalika wa qabla halika. لذلك يا احباب الكرام، نخطئ كثيرا في تعريف المسلم والمؤمن والمجاهد والمهاجر. Tout cela, c'est des facteurs qui nous trompent de la définition, la vraie définition d'un musulman. C'est qui? Pour définir un musulman, c'est comment? La vraie définition d'un croyant. Wallah, parfois j'entends des gens qui considèrent seulement ceux qui sont dans sa doctrine et sa partie, ils les considèrent comme des croyants, les autres comme des simples musulmans. C'est une erreur. Prophète Hassan, je vous dis le hadith de la définition. Et on se trompe de la définition de le mujahid, celui qui lutte dans le sentier de Dieu. Et on se trompe de la définition de le muhajir. Le muhajir, ce n'est pas celui qui va se déplacer d'un endroit A vers un endroit B par X raisons. Et c'est un hadith qui a rajouté l'imam Ahmed. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la définition maintenant, tarif. Al muslimo, noctatayn, man salim al muslimouna min lisanihi wa yadi. Tout court. Le vrai musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri du tort de sa main et de sa langue. C'est ça le vrai musulman. Tu fais la prière, tu fais tout, mais tu fais du tort aux gens avec ta main et avec ta langue. Tu n'es pas un vrai musulman. Wal mu'minu man i'tamanahu an-nasu fi amwalihim wa a'radihim. Et le vrai croyant, c'est celui dont les gens ils ont confiance en lui vis-à-vis de leur dignité et vis-à-vis de leur sang et de leur bien. C'est ça le vrai croyant. Quand les gens t'ont confié leur amana, leur ard, ou ils t'ont confié leur bien, tu es fidèle à le garder. Wal mujahidu, le vrai lutteur qui lutte dans le sang, man jahada nafsahu fi ta'atillah. C'est celui, il y en a le jihad. Il m'a dit, il y a le jihad. Il y a le jihad. Jihad, c'est l'effort que la personne fait pour soi. C'est pas facile de mettre tout ça en pratique si on n'a pas fait des entraînements pour soi. Si on n'a pas fait des entraînements pour soi, c'est pas facile. On peut prier. On peut apprendre le Coran par cœur.
mais si on n'a pas une purification de soi pour préserver, ça veut dire tous ses droits, ça c'est pas évident. وَالْمُهَاجِرُ الْمُهَاجِرُ celui qui dit مَنْ هَاجَرَ الدُّنُوبَ وَالْخَطَيَا. Muhajir, c'est pas celui qui va quitter un pays vers un autre, mais celui qui va quitter les défauts, qui va quitter les péchés, qui va quitter de faire du tort à autre. On a محتاج الى الصدق. لماذا نقول هذا؟ كل ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يوم القيامة يأتي المصلي والصائم والمزكي أمام رب العالمين. Pourquoi le prophète Sam ne mise en garde? Parce que le jour de réunion, celui qui prétend il a prié, il prétend il a jeûné, il prétend il a donné l'aumône, il va venir devant Allah. Mais c'est un mouflis. Il n'a pas dit qu'il y a un homme qui a été fait face à l'homme. Atadrouna man il mouflis ou min ummati? Al mouflis. Celui qui a fait faillite. Il a déposé le bilan. Qu'il a reçu Allah, regardez les compagnons, ils vont répondre une réponse économique. Il a déposé le bilan. Mais la dirham ou la mata, celui qui a fait faillite, s'il n'a pas un dirham, il n'a pas de matériel, il n'a rien le pauvre, un misdief. En fait, non, il a dit non. C'est pas ça mon objectif. Innama al-muflis min ummati man yati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat, walakin yati wa qad sabba hada wa safaka dama hada. وأخذ مال هذا وتكلم في عرض هذا فيعطي هذا وذاك من حسناته هذه الصلاة والصيام والزكاة الذي أداها فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار وين il est où la prière alors? Si le prophète ne dit que celui qui a prié ici-bas, il a jeûné, il a donné l'aumône, il va venir le jour dernier comme celui qui a fait faillite. Pourquoi il a fait faillite? Parce qu'il n'a pas préservé sa prière. Il n'a pas préservé ce qu'il a récolté de son aumône. Il n'a pas préservé ce qu'il a acquis dans son jeûne. Il a tout distribué ici-bas avant qu'il meure. Il a prié, mais il a triché. Il a prié, mais il a menti. Il a prié, mais il a pris le bien de celui-là. Il a prié, mais il a fait du tort à celui-là. Il va venir le jour dernier. Il va distribuer tous ces hasanats qu'il avait acquis à travers ses adorations à ses victimes. Et s'il n'a pas fini, et s'il n'a pas soldé son crédit, il va prendre de leur propre péché. Il doit les décharger de leur propre péché. Il sera rejeté en enfer. Ayol Hibbala Karim. Ça veut dire, là où on doit être radin, on n'est pas radin. Là où on doit être généreux, on n'est pas généreux. On doit être radin de ne pas donner ses hasanat à qui que ce soit. On doit être généreux avec le comportement, avec le bien, avec notre science, avec notre compagnie, une compagnie sincère, ce n'est pas une compagnie d'hypocrisie, une compagnie d'intérêt personnel, compagnie sincère. لهذا أيها الأحباب الكرام من أراد أن يدمن جنة الدنيا وجنة الآخرة فعليه بالصدق عند الحديد والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفروج وغض البصر وكف الأذى هكذا تدمن الجنة. Pour résumer, pour conclure, celui qui va garantir le paradis ici-bas avant l'au-delà, qu'il soit véridique et qu'il soit fidèle à ses engagements et qu'il rende le dépôt à ceux qui ont droit et qu'il préserve sa chasteté et qu'il baisse son regard et qu'il arrête de faire du tort à autrui, le garant, c'est Khalil wa Habibullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna nis'aluka an tadmana lana al-jannah. اللهم ادمن لنا موقفا عند ربنا يشرفنا اللهم إنا نسألك العفو العافية والمعافى الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من الكبر ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ورضاك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ورضاك. اللهم يا رب إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ردنا إلى دينك ردا سليما جميلا. اللهم إنا نسألك أن تسعد حياتنا في الدنيا وأن تزيدها سعادة ورضا في الآخرة. اللهم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وفقنا لما تحب وترضى، واحفظنا في هذه البلاد، واحفظ سائر بلاد المسلمين من كل أذى ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.